Le fusarbalète lourd est une redoutable arme de combat à distance qui permet d'utiliser de puissantes munitions. C'est MH ou c'est Call of Duty là? The fuck? Ok. Ah ouais, tellement lent par contre à recharger. Oh la lenteur du lourd! Ah ouais, compliqué! Ah putain! Oh. Ah oui, c'est pas lourd pour rien, quoi. Non, non, je préfère mille fois le léger, hein. Grand Dieu. Oh, quel enfer. Je préfère tellement le léger. Après, faudrait voir avec les points de talent. Est-ce que dans MH World, il y a aussi des points de talent pour réduire le la vitesse de recharge? Parce que il y a ça dans MH2, mais bien sur MH2 hein, pour les nouvelles armes que je connais pas. Alors ça, si je peux me permettre, Yoel, c'est pas le... le meilleur move, tu sais que tu peux, ça se teste de la VR, hein. T'as plein de salles de VR un peu partout en... un peu partout quoi. Bon, justement tester si vous êtes sensible, on appelle donc la cinétose. Ça se teste les gars. Avant d'acheter un truc. Ça se... Ouais, on est d'accord Zalim, on ne voit plus du tout. Y'a pas de soucis, hein, t'as le droit d'arrêter la solaire, mais... ce que je veux dire, c'est que comme on ne voit plus, bah, sans méchanceté, je compte plus sur toi pour les raids quoi. Ouais, bah c'est comme MH, ok. Oh l'enfer du lourd! Ok, bon. Putain, le coup du dragon, alors qu'il est paralysé, il prend l'eau, hein. Qu'à de le dire. C'est au queue au... est-ce que c'est queue au cac Ah putain, quel enfer. Après, c'est vrai que si j'avais les talents pour... si j'avais les talents pour recharger plus vite, c'est vrai que ça irait peut-être mieux. Hein. Parce que là, la reload est vraiment lente, quoi. Merde. Ah, puis en plus, si je rate ma cible, on va pas s'en sortir. Est-ce que tu contreviens pour la phase 2 ou pas du tout, Zalim? Oula, c'est bon. Après, si t'es très heureux sur sauteur, moi je vous souhaite toujours d'être sur les jeux qui vous rendent heureux. Hein. Ça ne change pas, ça.
Nice. Bon, c'est quand même cool le fusil arbalète, mais c'est vrai que le léger était fun. Plus rapide, tu passeras en charge vitesse normale, échelle très rapide, rapide, normal, lent, très lent. Dans l'autre sens, tu veux dire plutôt. Bon, là, actuellement, je suis en très lent parce que j'ai pas de truc, et je passerai donc à très rapide. Parce que tu me dis en vitesse normale, je crois pas. Ah, faudrait vite que je dépasse. Salut Vendetta. Bon, ça m'a manqué un peu de multigaming quand même. Hein. Mais manqué. Hein. Bon bah je te confirme que Wayna en tout cas Palil c'est parfait parce que Zanim était notre seul Palil et a arrêté de jouer. Donc on a bel et bien place de Palil. C'est le premier jeu que j'ai joué, c'est le premier arme que j'ai joué à niveau. J'ai commencé en 2018 avec l'arc, j'ai fini le jeu à l'arc. À l'époque avec World, hein, j'ai tout fait sur World à l'arc. Ensuite je suis passé, j'ai fait une grosse partie aussi au marteau. Ensuite deuxième run quand j'ai fait un nouveau personnage, j'ai fait tout au katana. Et avec le katana m'a amené jusqu'à Fatalis, c'était resté avec Iceborne. Et ça a amené jusqu'au Fatalis que j'ai pas tombé parce que j'ai pas travaillé, enfin j'ai fait un travail quoi. Juste que le lendemain il y avait les Fresh Start Servers de New World qui sortaient. Et voilà. Ça drop beaucoup plus qu'avant j'ai l'impression. Drop quoi? Tu parles de quoi pour le drop? L'arc je l'ai poncé. Les loups de grillage. Mais tu parles dans World, dans WoW, tu parles dans quoi? Je suis désolé, j'ai pas le... Je sais pas de quoi tu parles. Ah ouais, l'arc, ça a été... je kiffais bien, moi. Mais c'est ça, en fait, faut que j'en achète un max. Ok, donc, on va rechanger d'arme. On va rechanger d'arme pour aller prendre le fusil arbalète léger. Que j'ai clairement préféré. Donc la tire spéciale sous le dragon, on est d'accord que sous le dragon ça va être les mines, si j'ai pas de bêtises. Alors maintenant moi ce qui va m'intéresser c'est... Quand tu parles des grilles, tu parles juste des... Bon après les... Ah oui non, les... Enfin j'aime bien l'arc, hein, c'est juste que je le connais... L'arc, j'y suis allé, je l'ai joué jusqu'au... Alpha Extreme. Donc je pense qu'avoir bien... Bien poncé l'arc. Bien poncé l'arc. Un fusil arbalète, c'est quoi ça? Attendez. Ah. Ok. Chargement, fugitif, requiert. Ok, c'est nouveau ça? Enfin, je connais pas en vrai. Pendant une glissade. Ah. Je sais pas comment tu glisses par contre. Moi tu esquives, mais je sais pas si. Je sais pas que tu peux glisser particulièrement. Oh putain de merde. Ah ouais, ça a l'air relou. Hein. Ok, ok. Parce que moi il y avait un truc où tu tires genre un énorme attaque. Parce que donc t'as la mitraillette, t'as la mine. Il n'y a pas un troisième genre où tu balances un énorme genre boulet de canon. Courte portée. Change l'effet. Ah oui, chargeur. Ah ouais, d'accord. Donc par exemple, anti-blindage, il va passer en lent. D'accord. Souffle de Wyvern, c'est ça. Yes. Ah merde, et c'est en léger, j'ai que le souffle du dragon. Ouais, souffle de Wyvern, c'est ça le boom. Ça doit être ça. Attends, je peux regarder sur MHT en même temps. Je suis en train de faire un but justement au fusa dessus.
Ah bah, il y a aussi sous du Weaver dans... Ah non, ça sent l'or, tu vois, je relisais. Je suis un connard. Là, actuellement, c'est contre souffle du dragon. Non, parce que là, souffle du dragon... C'est... Ah, mais contre. C'est pas justement l'autre, attends, souffle du dragon. Ok, alors ça, c'est pour changer, d'accord. Canon long, la vitesse de munition, la portée critique est maximale. Avec du dragon. Courroux du dragon. Ça, c'est le mitraillette. Ah, ouais, mais par contre, dans ce cas-là, tu vois, rien que pour ça, ça me donne... Parce que j'aime pas les mines. Rien que pour ça, ça me donne plutôt envie de jouer le lourd, dans ce cas-là, et que je me démerde pour la... Ok, alors, on va mettre la recharge, bon, attends. Et donc, je peux mettre chargeur 1, et je peux en remettre un autre. Ah oui, voilà, c'est ça. Là, x2, les trucs vont passer en rapide, en normal. Ah, et c'est ça, le type de munition, en fait... Genre anti-blindage, ça reste lent. Wyvern, ça doit rester lent, je suppose. Je le vois pas là, mais... C'est... Ah, je peux en mettre jusqu'à 4. Et en 4... Ah ouais, d'accord, ok. Écoute, on va essayer avec ça. Ok. Donc, on va rester avec le lourd, finalement. On va s'entraîner. Hop, non, pas fur, ça c'est bon. Ah, léger, lourd, avec double chargeur pour... Bah, c'est ça. C'est Greg Wolf, un gros boom, quoi. Un gros truc qui fait boom, c'est toujours sympa. Et je voulais... Alors, attendez. Ah, ça, je m'en fous, c'est pas ça, je connais ça, oui. Alors, je voulais voir un peu les points de talent. Ah, attends, on va voir si c'est la même chose sur, que sur MH Now. Sur MH Now, là, le stuff. Il y a le Toby Kalashi. Il y a le Zinogre. Athlète, acrobate, trompe la mort. Ok, il n'y a pas la même chose. Ah, mais après, là, j'ai que les versions basiques. Ah, je suis même pas à l'expert, là, experso. Ok, je suis vraiment en mode casu, quoi, d'accord. Boum. D'accord, donc pour l'instant, on va juste garder là. Artillerie lourde, c'est quoi? Attendez, comment je peux savoir? Non. Comment je peux savoir ce que ça fait déjà? Non. Info talent. Non, c'est nul. La mort, ça je connais. Parce que là, actuellement, donc en talent, j'ai que des trucs nuls, ouais. Je sais même pas comment je peux voir tout. Je sais plus comment je fais. Il y avait un truc. Équipement peut-être comme ça. Ouais, voilà. Afflux de vie. Cercle de vie. Marathonien. Ouais, c'est. Ah oui, il y a bénédiction. C'est vrai que c'est vraiment pour t'aider de ouf. Yes. Ouais, l'armure, elle file en armure d'enfoiré. Ok. Bon. On va aller faire le Paulumou. Alors, faut que je rachète des munitions, c'est vrai. On va, on va acheter une chier de munitions. Et l'air stocké. C'est vrai que rien qu'avec le double chargeur, ça devrait quand même être mieux. Non, vers le coffre, là. Il faut que j'en stocke dans le coffre. Alors, les trucs que je vais jouer. Donc, anti-blindage. Incendiaire. Ok, on va reprendre des paralysants aussi. Et oui, tranchant, oui. Wyvern aussi. Ouais, mais trop lent le lance-canon. J'aime bien l'aspect à distance, justement. En fait, moi, ce que je reproche, et ça, les gens aiment pas l'entendre, mais je le pense, et je peux l'argumenter, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le déni. Je trouve que le personnage est horrible à contrôler dans Monster Hunter World. À l'époque, ça ne me dérangeait pas. Aujourd'hui, depuis que j'ai joué à d'autres jeux, notamment à Wildheart, à Dauntless et surtout à Wildheart, je trouve abominable. C'est un tractopelle, le perso, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore MH Now, donc le jeu mobile, parce que le personnage est grave cool à contrôler. Il se déplace bien, c'est fluide, c'est pas en mode tractopelle. Là, pour moi, c'est ce qu'on appelle. Il y a un mot anglais qui est parfait, qui n'y a pas vraiment en français. Ça s'appelle clunky.
le déplacement des personnages est très clunky dans World. Pareil dans Rise, hein, c'est mon Monster Hunter de base, ça m'emmerde. Et ouais, c'est un peu ça. Sans chaussures en plomb, pourquoi pas. Et ce que je veux dire, c'est que donc, ouais, dans Now, c'est génial. Et donc là, à distance, t'as moins le problème. Parce que t'as pas à bouger autour du... Enfin, c'est moins chiant. C'est un peu moins chiant. Mais j'espère vraiment que dans Wild, ça sera... Dans Rise, c'était un petit peu mieux. J'espère que de tout cœur, dans Wild, ça sera beaucoup moins relou, quoi. Tac. Bon, faut vraiment... Après cette mission-là, faut que je recalibre le HDR. Parce qu'il est pas bon du tout, là, actuellement. Il est un peu dégueu, même. C'est trop le milieu, en fait, là, mon jeu. Alors... Et en cas de là, hein... C'est compliqué. Au cas qu'il n'y a pas de lock, alors ça, pourquoi pas. Ils veulent pas mettre de lock, très bien, on peut faire sans. Par exemple, on est la preuve, mais... C'est comme il y a... Il n'y a pas de lock, c'est très lent de se déplacer, les esquives sont lourdes, enfin tout est lourd. Mais c'est pas agréable en fait, je trouve pas ça... Oui mais, c'est gameplay lent, ça veut pas dire pas fluide. C'est ça en fait l'amalgame pour faire les gens. Je te donne un exemple tout bête. Alors faut connaître par contre, hein. T'as un jeu qui s'appelle Lords of Fallen, l'ancien pas le nouveau Souls-like. Le gameplay était lent mais c'était fluide les roulades. C'était pas un problème d'esquiver. Là c'est tout, c'est pas que lent le problème. C'est lourd, mais pas bien lourd. C'est compliqué à expliquer, hein, je sais, mais... Surtout pour les... Plus vous êtes vieux joueurs, moins vous allez les ressentir. Putain, je... Ah si, c'est bon. Incendiaire. Ah ouais, c'est plus rapide, là, le reload. Coup de tuyau 360, je le connais bien maintenant. Ça aussi. Le coup de queue. Je le connais par cœur, les gars, grâce à... On va le paralyser un coup. Bâtard ! Bien joué. Ah, c'est nouveau ça. Wyvern, c'est au cac ou ça touche à la distance? J'ai un doute en vrai. Ah ouais, c'est pour ça, ok. Je comprends mieux. Je les ai bien mis dans le vent, résultat, mes Wyvern, ok. Bon, je l'ai bien éclaté. Hein. Bon, le fusil arbalète, c'est la vie. Hein. J'aurais dû jouer ça depuis le début sur Nara aussi. Bah, tu vas te coucher là? Bon, après, ça tombe bien. Je ne serai pas trop long plus. Tu me diras quand tu iras te coucher, ça sera bon. Ça sera mon signal là. Tu dors, là, en ce moment, tu dors avec les boules caisses ou pas? Parce qu'il y a pas. Où il y a du. Non, mais. C'est ça. Quand t'es au cas où t'es là, oui. Ok. Ça, je comprends. Il est où ce bâtard? Parce qu'il n'y a pas de bruit, on est d'accord ici. Non, non. Ça, c'est cool. À part l'église, mais. Oui, ça c'est bon. Mais je me suis un peu habitué. Oh putain! J'entends moins qu'à Ouais, on l'a. On l'oublie. En fait,
fait, c'est, oui, c'est surtout en été avec la fausse couleur. Ah, ça, ça c'est... Ça, je comprends. Il est où le polo mou? Il y a plein de merde volante. Ah, il est là! C'est trop bien, c'est les mêmes attaques. Non, en vrai, m'a rendu meilleur. Hein. Je connais toutes les attaques, en fait. Bah, le coup de cul à 360, cette merde-là, le truc où il gonfle, la charge, forcément. Le truc où il gonfle et il se crash ensuite. 360, voilà, le coup de cul. La boule de vent là, voilà, alors 360. C'est... Je les connaissais pas autant moi les mobs avant, je m'étais déjà... Mais là on les a tellement répétés dans Monster Hunter No que... Donc Wyvern au cac. Oh là, il a... C'est bon là, je pense que j'étais bien au cac là. La bouboule, empoisonné. Je lui ai tellement éclaté, tu sais, sa fourrure. Elle est bien. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que le katana a un gros skill cap comme ça, avec l'esquive divine. C'est pas faux. Après, je connais que par cœur maintenant les mobs présents. Ouais, le problème c'est que Iceborne. En fait, maintenant on doit aller jusqu'à Iceborne réellement. Après, c'est là que je m'amuserai quand même sur les premiers ici. Là. Oui. C'est pas fou. Ouais. Ah, là, faut aller comme ça. Hop, Wyvern. Ouf. Le petit coup. Ça, c'est le coup qu'il fait à chaque fois quand on lance le combat. Et que je peux esquive divine. 360. J'ai vraiment trop joué à Nao. Tellement joué à ce putain de jeu. Imaginez, j'ai regardé mes horaires. J'y joue en moyenne 10 à 15 heures par semaine. C'est énorme en vrai. Déjà pour un jeu, c'est beaucoup. Alors pour un jeu mobile, c'est délire. Et depuis qu'il a rajouté les chasses à thon, ça a rajouté un contenu monstrueux en vrai. Parce qu'on a même plus besoin de sortir. On a généralement 2 chasses à thon par jour, je dirais. Fait quand même 10 mobs. Ouais, t'as la chance d'être sur un nœud de. Ouais. Il y en a 2. J'ai sur 2 nœuds donc qui alternent, ça c'est coup de bol. Coup de bol complet. Alors il est où ce bâtard? Il est là-haut. Un petit Monster Hunter. Wild là, là. Ah bah Wild hein. On va le. Ça va être une LAN conséquente. Attends, comment on grimpe déjà? D'aller faire le plaisir de farm d'un Monster Hunter. Bon, ça y arriveront, ça déjà. Y a pas, j'ai aucun autre, tu vois, qui soit. Plus un gameplay dynamique. Plus fluide. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que j'ai expliqué au chat. C'est pas facile à expliquer le clunky, hein. C'est surtout pour des jeux. Plus ils jouent à Monster Hunter, les gens, plus ils sont déconnectés, tu vois, de ça. Comment on grimpe là-bas, attendez? Parce que je vois qu'il est juste au-dessus à 40 mètres, mais. Plus par où on passe. Hein. Mais ouais, là, tu vois, le HDR est mal réglé. Hein. Parce que si tu viens voir, viens voir vite fait. Tu vas voir, c'est beaucoup plus beau ici qu'ici. Et parce qu'il faut que je règle le HDR, le High Dynamic Range. Ah non, on va rien du tout. Bah non, je filme pas mon écran. Tu peux mettre des doigts, tu peux mettre ta bite. Ah, je crois que j'ai trouvé. Mais par contre, ça me fait. On est bien quand même ici en canapé. Hein. Ouais. Je suis pas mal. Ah, merci Freaky pour le raid. Tout marche. Et tout marche bien, quoi. Incroyable ça.